Le charme et la beauté se chamaillent, effleurent les murailles de corail. L'éternel charme préfère se taire, mais la belle beauté reste éphémère. Elle va multiplier les râles jusqu'à en avoir des pâleurs. La vie est une multitude d'esthésies, fortement décrite en poésie. Une alternance de croyances, une certitude d'exactitude, par ses bonheurs et ses malheurs, ses mauvaises heures et ses bonnes heures. Par ses milliers de palmiers, l'Algérie bien embellie, a embelli les figuiers et les oliviers de Kabylie. Elle lui a fait goûter le bon, sans vous parler de sa saveur. Elle est la jalousie elle-même, l'extrême sauvagerie suprême. Cette sauvagerie réagit après que le bon cœur agit. Toujours en mauvaise humeur, dépourvu de bonne humeur. En au-delà du ciel, l'avenir est miel. L'Algérie très profonde aime sa belle Kabylie, contrairement à celle qui réprime les lueurs. C'est toujours la même pagaille qui cherche à trouver la faille. Il n'y a pas de fumée sans feu, surtout le feu des grands fumeurs. Et en absence de la présence, toujours la place en pire humeur. Mon amour à Nora est plus que réel. Dans le monde virtuel qui me ravit demoiselle, elle a tendance à sourire. Les tueurs en fureur. La meilleure façon pour lui dire je t'aime, c'est de rester toujours le même et l'embrasser aussi très fort, en plein décor et corps à corps, mais pas encore plein de sueur. À chaque bonheur, ses heureuses heures, et chaque malheur, ces tristes heures, si tu parles, tu meurs, et si tu te tais, tu meurs. Le grand penseur dénonce l'horreur des extrêmes peurs, appelées frayeurs. Les fibricules des grandes chaleurs sont tous des fièvres qui peuvent faire peur. Tout ce qui est valeur a de la valeur, mes chères valeurs. N'ayez pas peur. La certitude et l'incertitude se croisent quand la vérité est ailleurs. L'ennemi des cœurs qui nous écœure est un bon cœur qui a du cœur dans un seul monde qui les commande, où l'impossible devient possible et le mauvais devient meilleur. La certitude et l'incertitude se croisent quand la vérité est ailleurs, l'ennemi des cœurs qui nous écœure est un bon cœur qui a du cœur, dans un seul monde qui nous commande, où l'impossible devient possible et le mauvais devient meilleur. Dans un seul monde qui les commande, où l'impossible devient possible et le mauvais devient meilleur.